J'ai une anecdote assez folle, c'est que j'ai reçu une dame assez âgée qui cherchait justement comment faire pour stocker ses documents médicaux par rapport aux intempéries, aux cyclones. Elle avait peur de les perdre. Et du coup, je lui ai parlé de mon espace santé. Elle a bien voulu l'activer et du coup, elle en a été super satisfaite. Bonjour, je m'appelle Morgane Beg. Mon métier, c'est d'accompagner la population dans la réalisation de leurs démarches en ligne parce que je suis conseillère France Service sur un dispositif itinérant qui se nomme le camion numérique qui se déplace sur le secteur nord de l'île de La Réunion. Aujourd'hui, je vais parler de Mon Espace Santé parce que je suis aussi ambassadrice Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est le nouveau carnet de santé numérique en ligne. Être ambassadeur Mon Espace Santé, c'est avant tout de répondre aux questions de la population sur ce nouveau service. Ensuite, nous procédons aussi à l'activation de leur compte Mon Espace Santé, télécharger les applications sur les smartphones, tablettes. On les montre aussi comment naviguer sur l'application, comment retrouver ses documents et comment mettre des documents dessus. Oui, il y a d'autres ambassadeurs, un réseau d'environ 150 personnes présents sur tout le territoire. Pour les contacter, rendez-vous sur masanté.re où vous retrouverez l'annuaire des structures relais dans lesquelles vous pouvez retrouver des ambassadeurs Mon Espace Santé. Vous retrouverez l'adresse et les contacts de ces ambassadeurs. Le truc que j'ai pas dit mais qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous toutes nous les gentilles, nous toutes nous les sympas, donc viens active votre espace santé.